Les recettes de Romy. Aujourd'hui, nous allons voir le hachis parmentier à la Romy. Et voilà, mon hachis parmentier est fait. On va très vite voir s'il est bon, mais avant tout, une petite chanson. Et la chanson que j'ai en tête, c'est... hachis parmentier, c'est un plat que l'on aime à midi ou à minuit et que l'on sert généralement avec envie. Pour le faire, il te faut tout d'abord des pommes de terre que tu vas laver, éplucher et puis couper. Puis tu prends ces pommes de terre que tu cuis dans l'eau bouillante. Tu attends qu'elles soient ramollies pour faire une purée. Dans un bol, tu écrases et mélanges tes pommes de terre avec du lait, de la crème fraîche et un jaune d'œuf. Si tu veux, t'y ajoutes sel et poivre et un peu d'ail. Puis tu laisses reposer le tout sur le côté. Puis tu prends de belles carottes que tu vas couper en dés. Les cuire dans l'eau avec maïs et petits pois. Tu fais fondre un peu de beurre dans une poêle sur un feu doux. Ajoute les oignons, le céleri, puis bœuf haché. Hachis parmentier, hachis parmentier. C'est un plat que l'on aime à midi ou à minuit et que l'on sert généralement avec envie. Dans un plat, tu mets la viande, maïs, petits pois, carottes, puis tu recouvres le tout de fromage et de purée. Tu parsèmes de parmesan avant de le mettre au four. Et voilà donc le résultat, un bon petit plat. Hachis parmentier, hachis parmentier. C'est un plat que l'on aime à midi ou à minuit et que l'on sert généralement avec envie. Pour le faire, il te faut tout d'abord des pommes de terre que tu vas laver, éplucher et puis couper. Puis tu prends ces pommes de terre que tu cuis dans l'eau bouillante. Tu attends qu'elles soient ramollies pour faire une purée. Hachis parmentier, hachis parmentier. C'est un plat que l'on aime à midi ou à minuit et que l'on fait généralement avec envie. Dans un bol, tu écrases et mélanges tes pommes de terre avec du lait, de la crème fraîche et un jaune d'œuf. Si tu veux, t'y ajoutes.